Tous à la qui a été le rôle de la
Sokrisia. Nazala ki peni na enaspe ya asenye makoyo. Esenye la ki na wandela yango. Paske pona beza la ki ede pisa. Tango musani na zamba zala ki ko definir ko dima. Lokola, lokola, lokola. Il a dit quoi? Il a dit que la foi c'est une force opérationnelle qui produit des effets irréversibles. Quand Nazala qui touche, Nazala qui bénit, n'a mon irréversibilité de la foi. N'évitez ceux qui, ensemble, qui comprennent le caractère irréversible de la foi. Le colangai, j'avais compris. Kolobaye teke, une fois que Tosa touché na liloba na zambe, une fois que liloba na zambe est touché mon enabiso, liloba wana eko ki Tosa ka tempo bota quelque chose. Cette parole ne peut pas laisser ça pour ta produire, ça pour ta changer, soit ça pour ta porter des modifications dans notre mode de vie. Un caractère irréversible de la foi. Aujourd'hui, tous les gens qui ont été dans l'église et tout le monde qui ont été dans l'église n'a pas été possible de transformer quelqu'un. Beaucoup de gens, bien-aimés dans le Seigneur, si nous observons bien en face, quand on a dit à la maman, pasteur Ezaro, à l'obé la kangere, moko baraka, et Sengeli, comment la situation va face? Vie chrétienne, et Sengeli, toi, pour la commune, on va face. Et à l'analyser de manière continue, comment ça évolue? C'est alors que nous-mêmes, nous pouvons nous évaluer. La probabilité que, est-ce qu'il y a le Banazabé, et ça n'est qu'au botanini, katikati, nagari? Quel est le changement? Quel est l'impact de la parole de Dieu dans notre vie? Soit quel est l'impact de la parole de Dieu dans ma vie personnelle? Nous devons nous laisser ce que les tomitiques, les lobawana, et rendre qu'ils sont productifs à travers nos œuvres. Nous produisons des fruits dignes de foi. Si on a parlé de Daniel bien-aimé, il fallait qu'on parle aussi de Baraka, il fallait qu'on parle de Papa Boyou, il fallait qu'on parle de Christian, il fallait qu'on parle de David. Et tant de personnes impactées par la parole de Dieu. Si on a parlé d'Abraham comme un héros de la foi bien-aimé, pour l'animité, pour l'animité, c'est grâce. Pour la dignité, Sœur Sarah, pour la dignité qui soigne, pour battre, pour parce que tous les gens ont il y a combien de gens dans la grâce du Seigneur, les enfants ou bien les fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, à bref, pour les gars qui pour le banni, n'a pas de grâce, le man a mis sur. Kolinga ki koloba eteke totike teni loba wana ebota kondimis kondima ya solo katikati na biso. Lorsque tosa expose tous les jours liboso na ya liloba na nzambe bien aimé dans le Seigneur, totika liloba wana ebota quelque chose ya malamu katikati na biso. Liloba wana ebota mutu ya sika katikati ya bomwe na biso. C'est alors que Tokozala, ces jeunes-là, nous serons ces femmes-là, nous serons ces hommes dignes de foi et agréables devant le Seigneur. Ce matin, je voulais inviter l'Église avec moi à ouvrir le livre de Luc chapitre 18. Le livre de Luc chapitre 18. Le verset qui nous attire, c'est le dernier mot, le verset Asuka, la ligne 18, le verset 8, mais ils sont au courant de l'amour de l'évangile. Mais ce que nous devons comprendre, que Luc a commis
akomaki yende mokomi ya epite wana commentaire biblique ezali kolobete ke liki akomaki epite oyo mpo na bandimi nyonso oyo bazalaki na origine juif te baoyo bazalaki na identité ya bajuif te etindaki liki akomela bango avec un objectif particulier kopesa bango certitude que Yesu Kristo ayaki mpona kolibere un peuple à captivité, peuple qui a la kimo kangami, peuple qui a la kimo tokobunga, mais Jésus Christ a ya qui peut à libérer. Toko tanga mon akongo na Jésus Christ, oya za na texte, émotionnaye, a ôter les mapes, a tanga les missions. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il le refusa. Mais ensuite, il dit à lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, mais à moi parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce qu'est dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas? Et Dieu ne fera-t-il justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera proprement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Les amoutouna, oyo sengeli nganayo, a fonctionné, oyo nyonso tozali komika, a fonctionné, oyo nyonso tozali komona. A fonction ya oyo nyonso tozali ko traverser, tozali ko leka na kati bien aimé dans le Seigneur. Esengela ki tozala na réponse ya mutuna oyo cet esprit a révélé ki konali ke kokoma. Est-ce que tu verras-t-il la foi réellement sécurité? Deuxième texte, c'est Deutéronome 31. Moïse dit encore à tout Israël, maintenant je savais tant et je ne peux plus être votre chef. Le Seigneur m'a dit que je ne passerai pas le fleuve Jourdain. C'est le Seigneur Dieu lui-même qui marchera devant vous. Il détruira le peuple qui vous raconterait et vous pourrez prendre leur pays. Et c'est Josué qui sera votre chef comme le Seigneur l'a dit. Le Seigneur détruira ses peuples comme il a détruit Sion et Gog.
roi des Amorites et leur pays. Le Seigneur les livrera à votre pouvoir. Et vous ferez avec ce peuple tout ce que je vous ai recommandé. 6. Soyez forts, soyez courageux. N'ayez pas peur, ne tremblez pas devant eux. En effet, le Seigneur votre Dieu marchera avec vous. Il ne vous lâchera pas et il ne vous abandonnera pas. Parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la première partie à lecture, la bisonique, à résumer, nous pouvons commenter à dire que et ça là qui n'a mon propos à Zara qui kobika, je pourrais dire quoi, il vivait une disparité. Droit naïe au Seigneur là qui a voyango, habita yango, mais elle était incapable de recevoir ce droit. Et ça peut y arriver, bien-aimé, que dans notre vie du quotidien, la carte de la vie n'a mis sur la table, tout a disparu, on les outils à que mon thème en abyssaux est ça la trouble. Il y a des situations où les autres ont les kakatikati n'a pas mon abyssaux, et ça l'a été que, qu'on dit mon abyssaux est n'ingana. Et ça l'a été que, peut-être espérance, et l'idée où ça l'a qui n'a pas, tu puisses les perdre. Et c'est de la même manière, cette femme, et comment qu'il n'a pas de situation où elle s'est là pour les Kanakati. Et Tia qui est, au lieu qu'elle s'est là découragée, mais ça l'a motivée à aller vers les devants. Cette femme est restée motivée à aller vers les devants parce qu'elle s'est là qui n'a pas. Il y a un Dieu de justice au temps où on attend ma télé. Qui a un Dieu juste et vrai, et il y a un Dieu qui est facile de s'opprimer au temps où on attend l'Ilomanaïe jusqu'à ce que ça puisse s'accomplir. Nous savons ce Dieu-là, bien-aimé de Valé. Et ce matin, je voulais t'encourager comme cette femme, que tu as un Dieu qui te rassure comme il a rassuré le peuple d'Israël. Quel que soit le tir, même ma camboyo, aux alliés pour estimer que c'est difficile, ma camboyo aux alliés pour estimer que au colon été bien aimé. Mais ce matin, je voulais t'encourager à dire que aux anciens mes oyo, à ça à petit caillotte, à ça au-dessus il y a mon, à ça au-dessus il y a mes kakatan oyo, tous alliés pour les kanakati. Il est capable de te donner une suite. Mais tu as une part de responsabilité comme cette dame. Vous avez une responsabilité comme maman Oyo, la télémaki, Koika Piko, elle a persévéré jusqu'à ce que Nasuka, ce qui vous a dit, Bibilia, Wawana, Alimbaki. Amen. Il y a des situations qui vous bloquent à un moment donné. Ces situations peuvent être fatiguées de vous bloquer. Et ça n'a pas tout à fanda pour nous bloquer, vos bien-aimés. Et ça n'a pas tout à colemba. À atteindre une vitesse de croisière, nous devons les laisser témoigner la parole. Dans le développement de notre enseignement, le Seigneur là qui doit aborder quelques éléments, Nicolo, la foi agissante. Attends qu'il y a des milliers. Voyez bien de combien de fois le Konami Sokol, je l'ai toujours appelé bien comme ça, votre frère Paul, c'est de la même manière que je voulais t'appeler ce matin, de ne pas changer. Amen. Quel que soit le difficile que tu traverses, même si tu as choisi pour les Kanakatis, les pour les Guénines, je voulais que tu persévère comme Daniel a persévéré. Tu
Rebisuka, Bibinezo Lometeke, Azalaki, révélé d'une grandeur, nous avons Kati Kati. Daniel a été comme un Dieu devant ces rois qui ne connaissaient pas Dieu. Et c'est capable. Beaucoup de fois, tous ceux qui ont dit mal encore la croyance, la colombette que Nzambe a ligué du sous-secret pour nous aimer, que Nzambe a tinta qui m'a naïe pour faire le sous-secret qu'il a envoyé son fils. Au-delà de cette simple croyance de la foi bien-aimée dans le Seigneur, il a fallu que nous puissions prendre notre foi comme une conviction. Une conviction. Qui est appuyé sur Dieu. Amen. Une conviction qui est appuyée sur Dieu lui-même. Verset 1. Sur Jésus-Christ. Sur des choses visibles et spirituelles. La Bible me dit que, mais en elle, cette foi-là permet d'établir entre moi mon âme qui me représente du côté de Dieu. Cette foi établit un lien et lié entre toi et ton Sauveur. Entre toi et ton Sauveur. Dans le développement, nous allons voir quatre aspects, quatre différents aspects de la foi. La quatre assignements, la mission et la tombe. Soyons rapides, on va s'aller dans la Biblia. Nous allons voir autant que la mission des livres de Romains, chapitre 17. Nous allons aller à ce fond-là, Ephésiens 2, chapitre 8. Ephésiens 2, chapitre 8. On a suivi Romains 10, 17, à qui peut de la mission de Romains sur Christ. Romains 10, 17, on connaît sur Christ. Amen. Et si la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, mais j'ai dit, non, tu n'as pas attendu votre frère. Leur voix est allée par toute la terre et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. Amen. Amen. Deuxième lecture. Nous lisons à Ephésiens 2, 8. Je lis au nom de Jésus. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Alléluia. Les années sont spéciales. Oyo, il est petit, il. Premier élément que nous voulons souligner dans cet assurement, c'est de dire que la foi constitue un moyen. Et Saline, c'est là. Et Saline, et Saline, et Saline, c'est là. Oyo, et même l'obico et pas un abisson. La foi constitue un moyen par lequel nous acquérons, nous soyons les salis et taquis dans notre vie. Qui veut dire que ton coquille, nous ne pouvons pas être sauvés si nous n'avons pas cette assurance. Ton coquille, koubikate, bien aimé dans le Seigneur, ce qui nous aligne, n'a qu'on dit mawana. Nous n'avons pas cette certitude. Nous n'avons pas cette certitude. Dans la foi, ou soit autrement, si nous n'avons pas une relation d'harmonie entre nous et Dieu. Ça serait impossible.
Amen aussi, bien-aimés. Tu dois dire, Seigneur, il nous a donné l'harmonie de la soumise de la misère. Ton seul ensemble, ami et dîme la mission de l'harmonie. Essayez-les tout le temps pour les nouveaux âmes de mon lingame. Essayez-les tous à la agréable de son âme de mon lingame. Essayez-les tout le monde dans l'âme. N'a l'olégué la mission à côté de ma mission à elle. N'a l'olégué la mission à vous rendre témoignage. Pour n'avoir pas tous à la carte. Essayez-les tous à la harmonie. Harmonie de mon lingame. Comment toi, bien-aimé? Tu as une relation harmonieuse avec Dieu. Le soir, tu as des doutes qui planent encore dans nous. Les anamakabo, les alikobiki, les alikobimisa, asira sewana, katikati na biso. Il y a des doutes, katikati na biso. Oh, les otala, les osalende, les anatangoyo, tu disparais même devant les yeux de l'Éternel. Nous avons de telles catégories de chrétiens. Et mon moment donné, ma campagne, lesquels et qui l'ont, a décidé de trouver une solution aussi qu'un ensemble. Voilà, destruction de l'histoire. Mais ce qui est portable, bien aimé, nous devons être en harmonie avec Dieu. C'est alors que la pensée de l'ambition d'harmonité. Deuxième vérité sur la foi, tout comme dans l'angoisse de Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, Ephésiens chapitre 4, verset 5. Évitez le droit de la même année. 1 Timothée chapitre 4, verset 6. Jude, 3e verset. Et la suite, on va la livre à Pierre, 2 Pierre, Panama. Le droit de la mission. Nous lisons Ephésiens chapitre 4, verset 5, au nom de Jésus-Christ. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi, un seul baptême. Alléluia. Nous avons un seul Seigneur. Alléluia. Nous avons une seule foi et nous avons un seul baptême. Amen. Deuxième vérité, deuxième texte. Deuxième texte. 1 Timothée 4, 6. En exposant ces choses au frère qui sera un bon ministre, qui sera un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement. Alléluia. Alléluia. Amen. En exposant ces choses, les allolés qui t'ont coutané dans ton roi, les lobes bien-aimés dans le Seigneur, quand on t'a exposé, les bossons y a ma terre, quand on t'a exposé, les bossons y a enseignement, où les allés confondent sa certaine vérité vraie qu'à ton aviso, bien-aimé, c'est alors que nous serons ces ministres-là comme Daniel a été. Là, nous voulons dire que la foi nous fait recevoir un ensemble de vérités chrétiennes. Si jamais que nous sommes exposés à la biologie, ce qui nous doit être exposé devant un fait, soit devant une réaction, soit devant une infection, risque à contamination des arbres.
C'est de la même manière, si nous sommes exposés, ceux qui nous ont exposés, ils nous sont à l'Oba Nazambe, bien aimé, ceux qui nous ont exposés, ils nous sont à l'enseignement, ceux qui nous ont exposés, ils nous sont à la vérité, ils nous sont à l'abissot bien aimé. Je ne crois pas si nous pouvons nous détourner de gauche à droite face à ces vérités. Bien aimé dans le Seigneur. Atumingi katikati na biso asangi kokota ple oyo prodige ce miracle na nzambe papa te bien-aimé. C'est parce que nous avons cette incrédulité motema makasi oyo esali kofanda katikati na biso. Ce n'est pas mal, portons la nature là de l'homme. Un être faible. Si jamais quelqu'un m'a dit qu'il n'y a proprement un zame, boni baraka peut-être, mais tout le monde a dit Jésus-Christ. Est-ce que Thomas avait cru réellement qu'après la résurrection, c'était Christ qui s'est présenté devant l'Église? Est-ce qu'il avait cru? Il avait cru l'Église? Non, il n'avait pas cru. C'est la chair qui nous portait. La chair d'incrédulité. Oh, nous autres, il y a mon thème à ma casse. Oh, Thomas à la Kinango, même moi, Baraka, même Yom. Quel incrédule. Ils ont permettre de sauter, de comprendre, de la révéler, de la vérité et bombarder Katikati. Ce cœur nous empêche de comprendre les prodigieuses promesses que Dieu a toujours dans notre vie tous les jours. Même s'il nous rappelle que jamais n'a pas dit qu'on dit qu'il y a une situation difficile, qu'il y a un salier le bon ayo, qu'il y a un salier le bateli. Mais il arrive, nous sommes tous autour de la vie, et pour qu'il nous permette de vérité, nous avons un bon aussi. Il y a un élément que nous devons souligner ce matin. Lorsque nous sommes avec cette incrédulité de cœur, au-delà de la perte matérielle. Parce que tant que tu dis maté, que tu as dit dans un peu, pour la cabine, tu as dit dans un peu, tu as promettre que vous serez la tête, non la queue. Il arrive que cette vérité, le monde arrive à les déformer dans notre tête. Et nous perdons certaines choses. Et ce sont des pertes matérielles. Et si plus loin, nous n'allons pas faire attention à garder notre foi bien-aimée, il peut y arriver que nous puissions perdre notre vie, qui est une perte vitale aussi. Cela nous pousse ce matin à nous exhorter de ne pas aborder le message aussi bien. Car tout peut nous arriver. Tant que tu oublies que si tu as Jésus Christ, tu es comme les amis. Tant que tu oublies que ça, on dit que Jésus Christ, tu es comme les amis. Tu as la croix dans le prédateur. Tu as la mission. Tu as la croix dans le monde. Tu as la cible de la destruction. Pour le monde, tu as la mission. Papa, tu es parce que tu as la tête. Alinga kate to sala na kimia, alinga kate to sala na esengo, alinga kate ngana tongo wa mabien-aimé. Son rôle est de nous aveugler afin de ne pas comprendre ces vérités sur lesquelles nous sommes exposés à vivre et à les rendre témoignage au quotidien. Troisième vérité de notre enseignement. Si ma foi
Depuis les années promettent que la foi constitue une énergie intérieure. Alléluia. J'ai dit, dans la cube bénine ainsi qu'on a pasteur Koyo, il y a foi sa œuvre. Dans l'historique de la Bible, nous allons l'exploiter plus loin. Les gens qui ont discuté que David a la timalam pour faire des saillants. Alors, frère Christian, le polaïolatim abe, tu n'es pas présentable. On te réserve une place là derrière. Livre de Jacques chapitre 2, verset 1 jusqu'à 6. Mais il y a des éléments qui nous fixent. Donc, c'est qui le Kosungabiso? Le Kosungabiso n'a parti ou n'a. Donc, quand Jacques chapitre 2, verset 1, donc on saute chapitre, donc on saute verset 17, 18, Petro Motanga, dernière partie, la 6e, plutôt à cause de Kosungabiso, plus rapidement. N'a pas sauté par passage. Jacques, chapitre 2. Dans la première. Amen. Mes frères, et votre foi à notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemple exact de tout favoritisme. 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi, sa réserve, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. 19. Tu crois qu'il y a un Dieu? Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Et bien moi, les croix, les croix aussi. Et ils tremblent. 6. Comme les corps sans esprit, est mort, et même la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Quand il m'en a dit ça, ça nous salue. Et ça dit bien. Et confie. La mission qui était entre ces deux personnes bien-aimées, il y avait l'esprit de favoritisme. Parce que moi, je suis mon mot, on se soit sali pour lui. Quelle vérité vous voulez souligner dans cet extrait biblique? Que la foi, les amis, montrent-moi ça, le pélaka katikati na biso, et tinda kabiso, tout ça, les gens pour mon coin malam. Autrement, nous pouvons dire réellement, Moutou Oya Salaka Malam Tango Yoso, et ça Moutou Aza convaincu, il a cette conviction, a fait ça, c'est alors qu'il a s'attiré encore les meilleurs de la part du Seigneur. Comment est-ce que vous avez la caca dans le condiment, mais le condiment a les outils dans la table pour Sunga Moninga dans la terre? C'est impossible. C'est impossible, bien aimé. Tu vois ton frère dormir sans avoir à manger. Mais toi, tu en as la menace, mais tu chantes toujours. Je suis enfant de Dieu, je crois au Seigneur. Et il y a de la qui s'est isolé. Si ça dit le diable, moi, je suis le diable. Je suis le diable. Et c'est cette force intérieure et extérieure qui va nous pousser.
Ça c'est force, ça c'est foi. Jamais nous pouvons être capables à nous exposer à aider les autres. À aider les autres. Il y a qu'on a profondé chacun, peu loin, tout si choc est tatique à côté de la même. Si pourquoi si vous, on a tout, Mungu na tukumbusha ya kama usichoke katika kutenda mema. Kwa sababu katika kutenda mema, ndio tunaendelea kuhakikisha ya kama tunaamini, tunaendelea kuhakikisha ya kama tuko watoto wa Mungu, tunaendelea kuhakikisha ya kama mpendwa, imani tunayo. Ni imani kwa hivyo njema chungu. Et la dernière vérité que nous devons exploiter, c'est dans le livre de Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Dans le livre de Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Donc je ne vaterai surtout parce que je suis faible. C'est alors la puissance du Christ habitera. J'ai la Bible de Jean, celui qui a la version de ce que nous aider à la lecture. Décorité 19. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance accomplie dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien, plus volontiers, les mains faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous avons une dernière vérité que nous voulons souligner ce matin. Que la foi constitue un don particulier utile aux assemblées pour la croissance de l'œuvre de Christ qui est son Église. Pour dire mon ami, sois bien-aimé dans le Seigneur. Et ça n'est le cas pour mon ennemi. Oyo, ça ne m'a pas dit à qui. Les apôtres, l'église et l'aïe, ça l'a édifié. L'église et l'aïe, et tout le monde s'en va à lui, dans sa vie de la dimension. Les alakakoukamatés, comme on a les noms à Katia Mangoba, il y a des mouvements de va-et-vient dans la Christo. Et nous en assez, et nous en a l'église de l'éveil, pour avoir qu'il y a un qui va Christo, même dans le musulman, c'est pas mal. Ce n'est pas étonnant. C'est respect que Dieu vous bénisse parce que vous avez gardé cette identité de ne pas changer comme nous observons aujourd'hui les gens qui sont à la recherche à la prophétie à l'église. Bon, bah, ça a besoin, il y a ma prophétie qui va s'appeler les colombes. Quand on se montre que les choses ne marchent pas, au lieu qu'à capitaliser, au lieu qu'à nous capomer, essayer à bâtir l'alliance dans les années, mais il se donne l'état de changer les églises. Ce n'est pas étonnant, bien-aimé. Les mouvements de va-et-vient dans l'église, les lobes à l'immédiat, aux athées, ok, il y a des temps, tout suite qu'on dit, il y a que ça va dans le contact de l'homme dans le monde. Ce n'est pas étonnant. Mais Oyo, essayez de toi. Si jamais que nous rendons témoignage de Daniel, c'est parce qu'il a persévéré dans sa foi.
Si aujourd'hui nous rendons témoignage d'Abraham au point qu'il est parvenu à offrir son fils, c'est parce qu'il avait, il était enraciné de cette vérité-là. Où est Dina qui est en Dima. Lorsque Dieu avait appelé non, Abraham, donne-moi ton fils. Abraham n'a pas hésité. Abraham avait donné Isaac sans problème. C'est de la même manière, si nous parlons plus loin de Noé et Moïse, Bible Zolomètre, ce sont des personnes qui ont obtenu la justice devant Dieu. Au point que même Moïse, Zambé à Sarah qui est Zambé n'a mis son femme. Ce n'est pas facile, bien-aimé. C'est lorsque tu seras inébranlable. Tant que vous avez un toit pour imaginer, tant que vous avez un toit pour faire des sikamoko, la katia pour du manayo, c'est alors que nous pouvons atteindre cette dimension dans notre vie. Un oncle a été enlevé sa porte à voir le monde à cause de sa foi envers Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est impossible ça la foi. Ça casse mingi. Ça que tout ça dans la continue. Tout pour pas possible sans ça quand tu as pas de Dieu. C'est impossible d'être agréable à Dieu. C'est impossible de bien aimer. Ça que nous puissions nous approcher de lui. Ça que tout ça dans l'alliance et l'ongo dans Zambé. C'est impossible de bien aimer. Au-delà de ça, ça pour que ton dima, il y a solo, c'est impossible. Nous devons croire à Dieu bien-aimé, parce que c'est lui qui est le rémunérateur. Zambéwana yende mufuti, yende mufuti, yabatu nyosu koyo bakangama naye. Zambéwana zali mufuti, yabatu nyosu batia edikia, basangaje koluka ye. Et ce Dieu-là est le rémunérateur de ces catégories de chers. Bien-aimé, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une voix assise dans Dieu et avec Dieu? Qu'est-ce qui nini kuna funga akili yetu? Qu'est-ce qui obscurcit notre intelligence au point de ne pas comprendre toutes les vérités dont nous sommes exposés jour pour jour devant Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche bien-aimés? Pouvons-nous demander alors à Dieu une nouvelle révélation? Pouvons-nous demander que Dieu révèle nos accords? Pouvons-nous demander à Dieu, à travers son esprit, de d'épanouir notre esprit afin que nous ayons des yeux qui voient les réalités qui sont devant nous, afin que nous ayons des oreilles qui attendent les choses sur lesquelles nous sommes exposés, nous sommes enseignés au quotidien. Je voulais encourager l'Église ce matin à se lever une fois encore. Levez-nous. Une fois encore, tenons-nous debout. Et demandons l'aide du Seigneur. Seigneur, aide-moi. Seigneur, ouvre mon intelligence afin que les vérités là, oyekiwana, oyotan na tango tosa exposé, que ces vérités nous épartent dans notre vie. Que ces vérités transforment notre vie. Que ces vérités portent des transformations, des changements. Que ces vérités une personne nouvelle à la présence du Seigneur. Bien-aimé, allons-y dans la prière.
Gracias.